Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de mon let's play sur Minecraft. Dans ces épisodes, je vais tenter de vous apprendre des astuces et de vous divertir. Alors, on va commencer tout de suite par créer une map en solo, donc solo. Alors en fait, j'en avais déjà créé une, je viens juste de la créer un instant pour que ça prenne moins de temps et pour perdre moins de temps. Donc, regardez, 18h10, et si je regarde l'heure sur mon PC, il est 18h11. Donc je ne vous dis pas de conneries, et le 21-11 bien sûr c'est la bonne date. J'ai activé la triche pour la simple et bonne raison que si par exemple dans l'aventure, dans peut-être une dizaine d'épisodes, j'ai absolument besoin de me giver quelque chose ou quoi que ce soit, bah c'est possible. Peut-être je n'utiliserai pas, mais au moins je peux. Par contre si je l'utilise, je l'utiliserai en vidéo pour que vous voyez bien ce que je fais. Alors je lance la map. Ah, et aussi j'avais juste capturé 4 bois. Enfin capturé, ramassé. Bon c'est pas grave, vous allez pas m'en vouloir pour... Juste ça. Donc on va laisser un petit peu la map charger. Et c'est surtout pour la raison de la map que j'avais juste lancé la map juste avant pour faire la créer. Parce que quand vous créez la map elle met très longtemps à se générer. Alors que là normalement ça devrait être plus rapide vu que c'est la deuxième fois. Mais donc voilà. Alors j'ai ramassé une dizaine de bûches de bois. Et puis voilà. Bon alors déjà je suis en version 1.6.4 et 1.7.2, alors que la version est sortie il y a presque un mois, pour deux simples bonnes raisons. Alors la première, c'est que la 1.6.4, la 1.7.2 étant sortie il y a moins de mois, les mods ne sont pas encore disponibles dessus et il n'y a pas Optifine, et je voulais absolument Optifine pour ce let's play pour que la qualité soit la meilleure possible et pas que ça lag bien sûr. Et deuxième raison, vu que la 1.7.2 est sortie il y a moins de mois, et que j'ai pas beaucoup joué dessus, je ne connais pas beaucoup de choses. Et du coup, j'allais pas essayer de vous apprendre des trucs sur une version que je ne connais pas. Alors, je commence tout de suite par créer une établie, une table de craft, comme je vous appellerai ça, les autres fois, je pense. Alors, pour la créer, vous avez vu, j'ai mis une bûche de chêne dans mon crafting de mon personnage. Ça m'a fait 4 planches. Puis j'ai positionné 4 planches comme ça et ça donne une établie. Alors je vais la poser par terre. Voilà. Je vais l'ouvrir et je vais fabriquer une épée parce que je viens de voir des poulets et des animaux. Et donc voilà. Et je vais fabriquer aussi une pioche. Donc je vais faire pas mal de planches. Pour faire des planches, comme je vous ai montré, vous mettez un bois de chêne, vous pouvez le mettre où vous voulez. Regardez ici aussi, ici. Ici ou ici, enfin bref, partout, ça vous fait 4 planches de chêne. Bon, voilà, j'en ai fait 12. Et avec les planches de chêne, vous pouvez faire des bâtons. Alors, regardez, moi je vais en faire 8. Alors, vous mettez un bois, une bûche ici, ça vous fait 4 bâtons. Alors, moi ça va m'en faire 8 puisque j'ai mis 2 bûches en bas, 2 bûches en haut. Alors, les bâtons, ça vous servir pour le manche, de la pioche et puis de l'épée. Alors, vous mettez les bâtons comme ça pour faire le manche. Et puis comme ça pour faire le haut de la pioche, la partie au-dessus là, je sais pas comment ça s'appelle. Ça vous donne une pioche en bois. Et puis je fais la même chose pour l'épée, à part que l'épée c'est comme ça. Un manche ici. Et puis deux comme ça. Et puis un bois. Alors ils sont où les petits poulets? Ils sont où? Ah bah là. Par contre, juste une petite chose, option, j'ai baissé la musique parce que même l'art était complet. Parce que bah j'ai pas envie d'avoir de musique. J'avais entendu pas mal de poulets, j'en avais vu plus que ça, moi je croyais qu'il y en avait plus. Bah là il y a un mouton, ah bah voilà. Ah bah les animaux ils mettent du temps à spawn. Enfin hein, que je les vois. Bon déjà je tue des moutons pas trop, juste le temps assez pour me faire un lit. Je pense que je vais faire le lit dans cet épisode, on va voir si j'ai fait le temps. Ouais 3 laines ça me suffit, maintenant je vais tuer les poulets. Un coup d'épée suffit, même une épée en bois. Là il y en a un autre. Le plus possible, les poulets vous pouvez en tuer autant que vous voulez. J'en avais vu un juste là, voilà il est là. Voilà et je viens de voir que là je n'ai pas pris le poulet cru. Alors la map met énormément de temps à charger, même elle a pas fini. Je sais pas pourquoi. Je verrai ça normalement le prochain épisode. Ça devrait être bon puisque j'aurai joué une quinzaine de minutes. Parce que les épisodes vont durer environ 15 minutes pour les premiers. Et si je trouve vraiment que ça fait trop court, bah j'accélérerai. Enfin, je mettrai plus de temps. J'accélérerai. Ah là là.
Voilà. Bon, alors aussi, quand vous tuez des poulets, ça vous donne aussi des plumes. Alors les plumes, c'est pour fabriquer des flèches. Les flèches, on verra ça plus tard quand on fabriquera l'arc. Alors parfait, il y a des vaches. Ah, ça, c'est parfait. S'il y a des vaches et tout, je vais avoir de la nourriture, ce sera parfait. Je serai bien. Bon, là, on est en biome neige. Normalement, j'aime pas trop les biomes neige, mais bon. C'est pas grave, parce que ce biome neige m'a l'air très riche en ressources et en animaux. Regardez encore les poulets. Oh, je les tue tous, là. Même si, bon, je ferais que j'en garde un petit peu plus tard quand je ferai l'élevage. Mais c'est même pas sûr que je reste ici, et ça, j'en doute. Vu que je n'aime pas trop les biomes neige. Oula, lui, je l'ai pas vu. Donc, voilà, encore un. Ça va être le dernier, j'espère. Au pire, même si c'est pas le dernier, bah, ça suffit. Donc voilà. Alors j'ai parti dans cette direction, je vois la montagne, moi j'aime bien les montagnes. Au moins on peut faire un abri dedans. Enfin vous allez voir. Là j'ai commencé juste par faire un abri de base tout pourri. Si vous voyez pas très loin, c'est juste qu'il faut que le temps que la map charge. Et aussi comme je joue en paramètre graphique, comment ça s'appelle? Ah parfait, une mine. Ah, en plus c'est une grosse mine, c'est parfait ça. Alors j'étais en train de dire, je joue en paramètres graphiques en render distance normale pour pas que ça lag. Oula, si j'entends des monstres, ça va pas le faire. Enfin, je vais pas aller les affronter avec une épée en bas. Ah, parfait ça. Ça, j'adore les grappins. On ira l'explorer, je pense, dans le prochain épisode. Alors voilà, parfait. Il y a la montagne. Ah, il y a des vaches là-bas. Ah, bah en fait, elle est parfaite cette map. Faut espérer que ça ne bug pas parce que je dois juste vous dire. Je sais pas si je l'ai dit, je me rappelle plus. C'est la 5e fois que je joue cet épisode. Parce que 4 fois, je crois que je l'ai dit ça. Ou c'est, enfin, je me rappelle plus, j'en ai fait tellement d'épisodes. 4 fois ça a bugué avec Camp Studio, 4 fois avec Fraps. Une fois avec Fraps. Et là, c'est la 2e fois que je teste avec Fraps. Si ça marche pas, là, je serais vraiment, vraiment deg. Aïe. Bon, j'ai ramassé le charbon, comme vous voyez. Et je vais faire ma cabane ici. Enfin, ma cabane. Mon abri. Mon abri de fortune provisoire. Bien sûr. Parce que plus tard, je me ferai une belle maison. Ça, c'est ce qui est bien le charbon, c'est que vous en trouvez un, souvent derrière il y en a au moins une dizaine. Là, c'est un, moi j'appelle ça un filon, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas sûr, mais je crois. Y a les filons en principe de charbon, c'est entre 8 et des fois j'ai déjà plus de 18 charbons dans le même filon, même des fois 20. Regardez, là j'en ai déjà 17, même 20, c'est largement possible. En tout cas, il n'y a pas énormément d'arbres, ça c'est un petit peu dommage parce que le bois j'en aurais beaucoup besoin pour faire ma maison et tout. Là je vais mettre la cobble. Ah, j'ai que deux. Bon, c'est pas grave, de toute façon je vais agrandir. Alors là j'ai qu'une pioche en bois, mais vous inquiétez pas, je vais en faire une en pierre tout de suite dans quelques secondes. Dans cet épisode je vais aussi vous montrer comment faire cuire la nourriture avec un four, et puis l'épisode sera terminé je pense. L'épisode doit, j'ai pas du tout le temps devant mes yeux, mais ça doit faire à peu près une dizaine de minutes là déjà. Donc on va rester encore 5 minutes et puis voilà. Et puis là, l'épisode sera déjà terminé. Alors, du gravier, ça j'aime pas ça. J'aime pas le gravier, moi. Je sais pas vous, mais moi j'aime pas. Ça vous tombe sur la tête des fois et puis ça vous tue. Je sais pas si ça arrivera dans la série, j'espère pas. Mais bon, c'est pas moi qui choisis. Ma table de craft, mince, je l'ai pas récupérée, moi c'est pas grave, je vais refaire des planches. Voilà, et puis je vais m'en refaire une. J'irai peut-être la chercher plus tard, mais bon, c'est pas grave. Même, enfin, peut-être on verra, vu que le bois, j'en ai pas des tonnes. Alors, déjà on fabrique des torches, juste pas beaucoup, juste 4. Mettez comme ça, bâton plus charbon. Puis aussi mettre du charbon de bois, je vais vous montrer tout de suite comment fabriquer. Enfin, tout de suite, dans quelques instants. Et puis, je vais fabriquer un four. Pour fabriquer un four, vous prenez des pierres. Et puis vous en mettez tout autour de l'atelier de crafting. Ça vous fait une fournaise. Moi j'appelle ça un four. Déjà la nuit commence à tomber. Je vais mettre une torche ici. Elle est où? Là. Et là. Donc ça sert à rien d'en mettre à côté. Et je vais fermer. Donc, je vais faire un peu pour avoir un petit peu de lumière et voir quand il fait nuit. Ah, ça va. Des fois vous enlevez, il y en a peut-être 200 au-dessus. Ah bah là il y en a sorti, du coup je vais boucher.
Bon, pour le moment c'est nul à l'abri, mais bon, de toute façon je vais agrandir un étage au-dessus, mais juste me faire une pioche en pierre. Alors pour faire une pioche en pierre, c'est la même chose qu'une pioche en bois, c'est-à-dire vous mettez deux bâtons, plus bah, trois pierres, trois blocs de pierre, ça vous fait une pioche en pierre. Ensuite, je vais faire une épée en pierre aussi, ça pourra toujours être utile. Vous faites comme ça, comme l'épée normale, à part que vous mettez la pierre. Et voilà. Alors, la viande, j'en ai pas mal, c'est pas mal ça, c'est mieux. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, quand vous tuez les poulets, vous gagnez des plumes, et quand vous tuez les vaches, vous gagnez du cuir. Alors, le cuir, c'est pour fabriquer des armures, je vous montrerai ça par la suite, quand j'en aurai beaucoup. Pour faire une armure, il faut 24, par exemple, 24 cuir, 24 fer, 24 diamants, 24 or. Et voilà, enfin, on verra ça plus tard. Enfin, je crois 24, je ne suis pas sûr, mais je crois. Je vous confirmerai ça quand j'en ferai une. Alors, pour faire cuire la viande, poulet cru, je les mets en haut. Et là, en haut, vous mettez ce que vous voulez faire cuire. Et en bas, vous mettez le combustible. Le combustible, en l'occurrence, le mieux, c'est le charbon. Même si, bon, on peut faire cuire n'importe quelle sorte de bois, bâton, planche de bois, bois. Alors moi j'ai aussi même les outils en bois, je vais vous montrer ça, par exemple j'en mets une et puis voilà, et ça fait une flamme. Alors la flamme, ça c'est bah, l'intensité, je sais pas comment dire, mais en gros je vais mettre la suite juste pour la pour pas gaspiller. Enfin regardez, l'épée ça a fait cuire un poulet, et enfin un outil ça fait cuire, il y a ça, la flamme ça fait de la flamme pour un aliment à faire cuire. Le bois c'est pareil, alors que le charbon ça en fait pour 8. Regardez, je viens de mettre un charbon, j'enlève le poulet, et puis je vais attendre que ça cuit tout, et vous verrez, il en restera 8. Alors, pendant ce temps, j'avais fabriqué un coffre. Pour faire le coffre, j'ai fabriqué des planches. Voilà, j'en ai suffisamment. Et puis, vous mettez, comme le four à part, vous mettez des planches de bois, et ça vous fait un coffre. Je fabrique le coffre, et alors je vais le poser. Voilà. Voilà. Bah, dedans, je vais mettre le charbon. Les plumes, vu qu'elle n'aurait pas besoin pour le moment, les fleurs, la laine, le gravier, ça s'appelle gravelle, moi j'appelle ça du gravier, le silex c'est pour fabriquer le briquet ou des flèches, enfin on verra ça plus tard, le cuir, pourquoi dirt? J'ai la version en anglais ou quoi? Dirt c'est en fait c'est la terre quoi, je ne sais pas, bah voilà, le reste je vais garder ça sur moi. Alors regardez, c'est déjà 5, il reste encore de la flamme, déjà 6. Je vais profiter de le temps que ça finisse pour agrandir de l'un au-dessus. Moi perso, je préfère faire un abri de 3 de haut. C'est beaucoup mieux parce que regardez, quand là c'est 2, je trouve que c'est trop bas. Au moins là, on a de la place. Et voilà, et je préfère. Bon, pour l'abri, je vais pas faire un palace, hein, pour le moins, un truc tout basique. Ouh là là, ça, encore du gravier. Je voulais le poser ici, voilà, ici. Le temps que on va voir ça. Alors déjà, je vais enlever tout le gravier. Alors le gravier, ça peut être long, par exemple, il y en a 20 au-dessus, ça peut être très très long à tout enlever. Parce que dès que vous avez le gravier fait partie d'un des blocs qui subit à la gravité. Je vous expliquerai ça plus tard. Voilà, alors voilà. La nuit est tombée, donc je crois que là ça doit faire une quinzaine de minutes. Donc le premier épisode terminé, je vous montre juste le four. Voilà, le charbon s'est consumé et il reste, et j'ai fait cuire 8 poulets. Donc j'avais raison, enfin comme je vous ai dit, un charbon égale 8 poulets grillés. Donc je les prends, voilà. Et juste avant de finir la vidéo, je vais mettre du charbon. Mon charbon il est où? Je l'ai pris. Voilà, je vais en prendre la moitié. Et puis je vais faire cuire. Alors je vais faire cuire, là ça va se cuire là, et puis au prochain épisode on cuira les steaks, et puis on ira faire un petit peu de d'exploration de mine. Donc l'épisode est terminé, étant terminé, bah, je vous dis au prochain épisode, aimez la vidéo et abonnez-vous pour la suite. J'espère que ça vous plaira, et puis voilà, donc ciao!